Sacré viva Bana FPI viva Bombete la Bandekoya FPI Maboko Makasi na coordonnateur mama Nakanisi Malobanyo sa kitoko ese lobamaki awa Tous mes prédécesseurs ont dit de très bonnes choses. L'endroit est public, Oyo Bazali Awa. Nazako remercier Bandeko Nabiso, puisque malgré la zone de turbulence, Nyosoyo et Samaki, Bazako continue toujours à garder cap. Mais Essengo Nazanango, Ezaya boye. Esengo nazanango ezaya boye. Sokio ozo sala likambo. Balobaka na bato alopoto. Tel père, tel fils. Ezabo ete. Bande konabiso ya FPI. Na biso bato ya IDPS. Touti na école. École ya nani. École ya Etienne Tshisekedi. Tokani malam. Touti na école ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais il y a un problème réel où il faut tout résoudre yango pour na batu va se faire identifier et pas population. Tokani. Bisso Tolobaki Boye, nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Nous étions dans une école, école des Tshisekedistes, de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Maintenant, il faut poser la question. Ceux qui sont en face de nous viennent de quelle école? Tilelo, moyen va s'identifier exacté. Baza batu oyo, baza kotatone. Nalobaki yango, ils sont en train de tatonner pourquoi? À cause de leur frustration et leur intérêt personnel. Yango, boza la calme. Tozo kenena bango, d'ici là, ils vont se mettre d'accord. Bona Joseph Kabila a comme leader na bango. Il faut bazwa Toyokana. Il faut bazwa Joseph Kabila comme leur leader au sein de l'opposition. Puisque
que en face de nous, nos frères sont en train de tâtonner. Baebi nenge basala ka opposition te. Tozoka na malam. Ebele bozomo na bande konabiso oyo nenge toza na kati ya union sacré. Eza ka oya bato baebi pasi ya population. Bakoyebi sabino boye. Kasi Félix Tshisekedi asalaki coalition na Joseph Kabila. Boye bisabango boye. Constitution nde imposa ki Félix Tshisekedi coalition wana. Mais ya bango coalition nini imposé bango. Bana union sacré viva. Coalition oyo ki babengi soki bloc nini na ebité. Eza imposé sur base ya haine na frustration. Bazana fondement juridique ata mon côté. Mais bino coalition bosala ki na Joseph Kabila constitution de imposa ki bino yango. Toyokani. Lokola baza ko tatone na makambo bazali ko sala. Tozali na bino ao. Bayebisi bino ke nyoka oya vipère. Aza na kati ya ndako. Aza ko boma bato. Na kati ya libota na yo. Omoni voisin azwi banzete. Ayepo aede obobo manyoka wana. Yo lobi tolingi na nyoka oyo. Yo kota na banzete te. Est-ce que ozali serye? Ozali serye? Comment expliquer batu o baza serye? Bande konabiso ya est baza komo mabango tous les jours que Dieu a créé. Batiki bitumba wana na 18 ans o basali na bokonzi. Lelo tata mokonza ekolo Félix Tshisekedi bobetele maboko makasi. Président ya Union africaine. Atali amoni ke batu oyo baebi situation ya banguna oyo bauti pa na bango eza bandeko oyo bazali pembeni soki lelo toza kotrake batu wana bisomi bale les deux armées ya ba pays voisin wana basali mabe nde yango na FC bino ke en face de vous il n'y a pas l'opposition, il n'y a que les gens qui tâtonnent. Toyokani malam. Toyokani. Mutu a distraire binote boza la sima ya bakambi ya FPAI en commençant par son coordonnateur l'honorable Laurent Batumona na équipe na ye. Et puis boza la sima ya ba membre nyonso o ya union sacrée. Puisque élection il y a 2023, toza ko remportango o la main. Toyokani. Bona suki sa naza ko loba boye. Nayokaki toyokana. Ok. Toyokana. Bana union sacrée viva. Na lobi boye. Nani, papa nani oyo, na kati na bino. Ako kiko zalana bana na ye, baliete azalana esengo. Ezalaka? Lelo, tata mokonzi amboka. Tata mokonzi amboka, bitumba na ye. Ezapo na kongole nyoso azo musala, ali ya malamu, po azala na esengo ezabo ete. Merci mingi na ndenge boyaki ko soutenir bande ya FPAI na biso nyonso elongo zambe ya pambola bino. Bisous
présidente Maman Aïa, AFDC, Maman vice-présidente à AFDC, AROPES à moi de soutien à l'Union Sacrée, Sotia Zali Pembe et Nakomoya, honorable président Bahati Lupebo. Une mobilisation énorme pour venir ensemble avec d'autres membres de l'Union Sacrée dans la ville. Est-ce qu'on peut avoir la question de prochaines élections? Nous nous rassemblons ensemble pour qu'on puisse se connaître et voir de quelle manière et de quelle façon nous devons préparer les prochaines élections. Mais voir de quelle manière vous allez préparer les prochaines élections. Mais il y a des sérieux problèmes qui rongent les Congolais. Les Congolais parlent du social, les Congolais parlent de l'économie, les Congolais parlent des infrastructures, les routes qui posent un sérieux problème. Voyez-vous, avec tous ces problèmes-là, en 2023, ça serait un peu facile pour vous. Vous savez, nous les Congolais, nous sommes très égoïstes. Le chef de l'État est en train de marcher comme il faut qu'il marche. Et je crois qu'avec l'État des droits, il y a des actions qui se font. Et les gens sont en train de jouer avec la diplomatie. Aujourd'hui, il a fait en sorte la diplomatie partout dans l'Afrique, dans les pays voisins, et en Europe et aux États-Unis. Le chef de l'État a fait l'état de siège, c'est pour mettre la tranquillité. Tout ce qu'il est en train de faire pour essayer de voir en 2023 de faire une boom économique. Dans 2 ans, il ne peut pas tout changer. On est resté avec 18 ans de pillage, 32 ans de misère. C'est pas aujourd'hui que vous devez dire au chef d'État de tout changer. Mais il n'y a pas des signaux quand même. Pardon? Des signaux. Mais ils sont là. La diplomatie. L'État de siège, ça est en train de marcher. L'État des droits. Il y a des choses qui marchent. En fait, on ne peut pas tout changer du coup. Donnez-nous le temps, vous verrez ce qui va se passer. Vous savez, nous jugeons vite les gens. Au Kabila étranger, il part. Moi, la mboka a commis. Oh, moi, la mboka a consommé ça. Aujourd'hui, vous voulez quoi? Laissez-lui, il n'a fait que 2 ans. Arrêtons de spéculer des choses. Toi, tout ce qu'ils font ça, ils veulent déstabiliser seulement. Ils ont honte, là, ils n'ont pas pu faire. Lui, il l'a fait. Et ils sont honte à ça, ils ont compris ce qui arrive. Vous savez qu'à l'époque, un ministre devait demander un visa à la maison Schengen, on le refusait. Aujourd'hui, n'importe qui peut demander de visa à la maison Schengen, on le donne. On voit qu'il y a la diplomatie qui est là, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont nos alliés dans l'avenir, hein, vont autoriser leurs opérateurs économiques de venir dans notre pays. Parce qu'il y a la stabilité, il y a la sécurité et tout. Laissez-lui faire son travail. Dans 2 ans, il a déjà beaucoup fait et personne ne veut le comprendre. Et personne... Toi, ici, on est dans un monde où les Congolais, ils aiment ce qu'on appelle polémique. Ça, c'est leur histoire. Oh, à quoi quitter à Saïboté. Mais si on les menace, ils vont faire ça. On a eu Joseph Kabila qui était là. Il a commencé à travailler. Oh, pillage. Oh, ceci. Oh, cela. Maintenant, il part, on prend quelqu'un d'autre, mais on commence à dire qu'on a socialité. Vous voulez qu'il change de choses dans 2 ans. Et vous connaissez dans quelles circonstances il est arrivé au pouvoir et ce qui s'est passé. Donnez la chance. Nous le soutenons uniquement pour ça. Parce que cette vision va avec notre vision. Vous prêchez de la bonne gestion, de la transparence en termes de gestion, mais on vient de voir les Congo Hold Up, les rapports par rapport à la famille du président Kabila. Et il y a au moins 2 jours auxquels on a cité aussi des proches du président en place. Vous prêchez de la gestion, mais il y a des révélations qui se sortent. Moi, pourquoi je crois tout ça, c'est banal. Vous savez, le président Kabila, hein, qui est sur place, vous parlez de tout ça, mais lui n'était pas là. Tshisekedi n'était pas là. Tshisekedi n'était pas là. Quand ils ont commencé à faire leur hold-up, il n'était pas là. Il est en train, juste pour attraper quelqu'un, il faut avoir toutes les preuves possibles. Mais les conseillers sont cités, ce sont les rapports des journalistes et d'investigation. Ils ont cité quelqu'un. Tout le monde parle, il n'y a pas de preuves. Il faut d'abord chercher des preuves pour arrêter quelqu'un. Vous comprenez ce qu'il y a. Une fois qu'il aura toutes les preuves, vous verrez ce qui va se passer. Nous cherchons des preuves, il faut avoir des preuves. On ne peut pas accuser quelqu'un, on dit que parce qu'il a construit une banque.
Et vous avez derrière la banque, ce sont les noms de d'autres personnes. Il faut essayer de faire des recherches, trouver réellement comment ils ont pu faire leur offre. Donc à ce moment-là, la justice va agir. L'Ouganda, un pays agresseur auparavant, mais aujourd'hui nous voyons des collaborations militaires avec l'Ouganda. Et voyez-vous pas que c'est comme si vous étiez en train de refaire ce que Kabila faisait auparavant. Et parce que l'Ouganda hier a été accusé d'être agresseur, mais aujourd'hui devient un ami. Voyez-vous pas que c'est un peu compliqué. Ouganda, écoute, vous savez, la politique elle est compliquée, elle est très compliquée, vous voyez, elle est complexe. Ouganda, même s'ils ont joué avec Kabila, aujourd'hui on essaie d'avoir de bonnes vaginales. S'ils veulent, peuvent nous aider. Ils veulent nous aider, il n'y a pas de problème. Qui vous dit qu'ils viennent ici pour prendre. Non, s'ils veulent nous aider. Sans passer par l'Assemblée nationale, demander l'autorisation. Mais vous savez que le chef d'État, s'il y a un état d'urgence, le chef d'État a droit d'agir étant qu'il garant de la nation. Il a le droit d'agir, de demander de l'aide. Il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps d'aller passer par l'Assemblée nationale, voter. Non, non. Quand le peuple a besoin de la sécurité et qu'il est le garant de la nation, il est obligé de demander de l'aide aux voisins sans passer par l'Assemblée nationale. C'est ce qui est normal. Rassurez-vous, est-ce que vous pouviez nous rassurer qu'en 2023, le président de la République va briguer un second mandat? Parce que je ne sais pas, par rapport aux réactions de certains opposants politiques, c'est comme si en 2023, la chance n'est pas vraiment de votre côté par rapport à tout ce que nous avons épinglé à cette interview. Écoute, vous savez, il n'y a pas longtemps, les gens parlaient, il va faire 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, nous en sommes aujourd'hui. Soyez sûr que Félix Tshisekedi Tshilombo sera le prochain président dans les prochaines élections. Il va remporter, il va faire une boom économique dans ce pays, les gens vont être surpris. Et soyez sûr à ça. Merci beaucoup. Je vous présente. Bonjour, très cher ami. On vous a trouvé ici avec une mobilisation énorme par rapport à cette journée organisée par l'Union Sacrée pour la Nation. Une structure qui soutient le président de la République, qui soutient au moins les actions du président de la République. Est-ce qu'on pourrait avoir la quiescence de cette journée au moins? Oui, de premier abord, nous allons nous présenter. Nous sommes la République Avant et Alliés. Nous sommes un parti politique avec un regroupement. Même là, ce sont nos alliés, ils sont les amis du PADER. Donc c'est un parti politique allié à notre parti. Ici, nous avons notre membre du parti, un responsable du parti, un cadre du parti, donc celui qui s'occupe de la logistique. Et moi, je suis le chargé de communication et médias de ce grand regroupement. Notre autorité, moi, c'est Rigobert Moudinika. Le but, comme vous avez dit, la quintessence, est que nous voulons démontrer à l'opinion congolaise et internationale que le président n'est pas seul, que ses actions sont soutenues, contrairement à ce qui se disent et à ce qui se font. On est là, les gens sont ici depuis 6h du matin. Il y en a qui sont de nuitamment, ils sont arrivés sous la pluie pour démontrer leur patriotisme. C'est même là le leitmotiv de cette journée, c'est une journée patriotique. Mais il y a une frange de la population qui pense que cette journée ne sera pas une réussite totale. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Mais je ne peux rien dire parce qu'elle est là. La réaction, elle est là. Il y a même l'embouteillage ici sur Triomphal. Donc c'est une réussite. Les gens sont habitués à négocier avec les badauds. Avec un petit 5 000, un petit 10 000, vous ramenez les gens. Mais les gens qui sont venus ici sont venus par patriotisme. Donc là, ce sont des vrais Congolais. Les gens qui aiment la nation. On a dit, les gens, ils sont là. Il n'y a personne qui a reçu 1 000 francs. Ils sont venus d'eux-mêmes pour soutenir le président de la République. Mais eux, ils vont voir des badauds. Ils négocient avec 5 000 francs. Avec 10 000 francs, venez soutenir nous. Les signes sont là. Il y a la musique qui joue. Les autres sont là. Il n'y a rien à dire. Mais vous soutenez les actions du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Moulumba. Mais il y a des gens qui disent, par rapport aux réalisations de certaines choses, il y a quand même pas assez d'avancées significatives dans beaucoup de choses, surtout les sociales des Congolais. Il y a des gens qui parlent des sociales. Il y a aussi l'économie du pays qui traverse une période un peu morose. Quelle réaction portez-vous par rapport à ce qu'ils disent? C'est là que le président de la République, en termes des actions, on ne voit rien, il n'y a rien qui n'avance. Écoutez, moi je suis Zaïroi, je suis sous Mobutu, 32 ans, Kabila, 18 ans, et vous voulez qu'on arrange une affaire de 50 ans, 2 ans, 3 ans? C'est pas vrai. Ces gens-là ne sont pas congolais. C'est pas vrai. Pour construire une maison, mais c'est pas le peuple, on peut la construire en 24 heures, on détruire en 24 heures. On la rase et il n'existe plus. Mais pour construire le palais du peuple,
ça prend des décennies. Or nous, en 2 ans, 3 ans, il ne peut pas tout faire. Nous sommes en train de marcher. Nous voyons comme il y a un changement. Nous voyons comme il y a une avancée. Parce que quand vous parlez aux gens responsables, ils vous disent que non, nous sentons un changement. On doit l'accorder encore une portion de chance. Mais chose bizarre, les gens qui ont dirigé hier, qui ont détruit le système, ce sont eux qui se plaignent. C'est l'eau et les faiblesses. Et pour dire vrai, donc ce sont des gens qui sont en train d'instrumentaliser pour chercher à essayer le président. Mais nous savons que tout marche très bien. Tout marche très bien. Bientôt, c'est les élections en 2023. Il y a des franges toujours qui disent par rapport à un deuxième mandat du président de la République. Mais selon vous, vous ne voyez pas que le premier quinquennat qui s'achève, mais qui pose déjà de sérieux problèmes, êtes-vous sûr en 2023 que le président de la République va briguer encore un deuxième mandat? Oui, je suis trop sûr qu'il briguera. Trop sûr qu'il va briguer. Il va réussir son deuxième mandat et il passera avec brio. Vous savez quoi, je te viens de le dire, on a détruit le pays pendant 50 ans et vous demandez à quelqu'un de le réparer en 2 ans, 3 ans. Et vous qui avez détruit le pays, vous vous soulevez. Écoutez, la loi de la CENI, ce sont eux qui ont créé. Il passera. Comme ils avaient été sur mesure, il prend cette mesure, il passera. Il y a le rapport Hold Up, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui cite au moins la famille de l'ancien chef de l'État par rapport au détournement. Et nous avons suivi un deuxième rapport qui citait aussi les proches du président de la République en place. Vous ne voyez pas que vous critiquez ce qui se faisait auparavant, mais c'est comme si ce sont des mêmes choses qui se répètent avec le pouvoir actuel. Le Congo Hold Up, ça fera 2 ou 3 semaines sur le média. Les premiers jours où on a dégagé cela, moi j'ai suivi l'intervention, ça sera 2 ou 3 semaines. Et la vision est de nous démontrer qu'est-ce que la Kabylie a fait pendant ces 18 ans de règne. Mais il y a aussi des conseillers, mais Tshisekedi qui sont cités. J'arrive. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 18 ans de règne? Mais on n'est pas censé oublier qu'il y a certaines personnes qui ne marchent pas avec le président de la République. Ils font semblant d'être avec lui, mais ils sont en train de le détruire. Et vous souvenez avec vous, avec nous tous, que le président avait un gouvernement où les gens n'obéissaient pas. Même ceux qui sont dans l'Union sacrée, ils sont venus parce qu'ils sont en train de fuir le chômage. Alors ces gens qui vont foutre la merde, on dirait au nom de qui? Du président, et voilà. Les cotégés ougandais en République démocratique du Congo pour soutenir la RDC par rapport à la lutte contre les terroristes. Quelle est votre réaction? Parce qu'il y a des gens qui disent que le gouvernement ou le président de la République n'a pas eu à consulter l'Assemblée nationale pour donner son aval par rapport à cette intervention ou par rapport à ces contingents ougandais. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Moi, je pense que le ministre des Informations, l'excellence Patrick Muyaya, avait tenu une conférence de presse la semaine passée avec le porte-parole de la FARDC, Jean-Luc Kasunga, que je salue en passant, et le porte-parole de la PNC. Ils ont tout dit, ils ont tout établi. Là, ce sont des raisons qu'ils cherchent. Ces gens et ces adeptes d'Alou sont leurs cousins, leurs frères, nos frères de l'Est là. Moi, j'étais à Kigali, moi, j'étais à Kampala, j'étais à Bukavu, j'étais à Goma. Il n'y a pas de guerre. Ce sont ces gens qui s'opposent, ce sont eux qui créent cette guerre. Ces gens qui disent que le président n'a pas obéi, ils veulent créer des lectures et relectures. C'est juste ça. Ouganda, un pays agressé auparavant, mais aujourd'hui pour vous, il devient partenaire idéal pour lutter contre le terrorisme à l'est du pays. Voyez-vous pas qu'il y a une certaine, je ne sais pas, considérer ça comme amalgame ou quoi? Parce que si à l'époque de Kabila, quand Kabila a collaboré au moins avec les Rwandais, ça créait beaucoup de problèmes. Mais vous aujourd'hui, avec l'Ouganda, un pays agresseur qui nous a agressé auparavant. Mais moi je pense que, j'ai dit tout à l'heure là à notre chaîne, sœur à vous, le problème c'est que nous, les journalistes congolais, vous m'excuserez, j'ai rien contre vous, nous ne faisons pas l'investigation. Nous venons seulement carrément, on ramasse à la rue, puis on commence à dire des trucs comme ça. Il y a quelques jours passés, on a tous suivi les Andef Nalou bombardés dans plein Kampala. Ok? Ils font leur base en RDC pour retranchement. Alors, s'ils ont fait base à RDC pour retranchement, si nous on les frappe ici, ils veulent aller là-bas, on leur frappe. C'est quoi notre problème? Voyez-vous, ce sont des gens qui créent. Ce sont des gens de l'Est là. Tous ces députés qui s'opposent, ce sont les gens de l'Est. Leur marché de coltan,
leur marché, tout ce qu'ils font a échoué. Écoute, je vais vous choquer un peu. Est-ce que vous voyez encore des immeubles être en train de grandir ça, ça comme avant? Il n'y a plus d'immeubles qui grandissent parce que tu as des droits là. Mais j'ai fait là, maintenant ils sont bloqués, ils sont verrouillés. Voilà, ils doivent créer des histoires, donner des informations qui sont fausses. Et comme le Congolais ne lit pas, le Congolais ne s'instruit pas, eh bien on est parti. Hein. Le président de la République avait donné, fait une grâce présidentielle à certains prisonniers. Nous avons vu Willy Bakunga sortir, mais on était surpris de voir la réaction du ministre de la Justice. C'est comme s'il est en train de s'opposer à la décision du président de la République. Voyez-vous pas ce qui s'est passé avec l'ancien ministre de la Justice est en train de se répéter aujourd'hui. Bon là, je me réserve de faire beaucoup de commentaires. Parce que le président a laissé la justice être libre de faire son travail. Voilà pourquoi je me réserve de dire n'importe quoi. Mais une chose qui est vraie, certaine, la loi est en train de faire son travail. C'est ce que moi je sais. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en prie, tout le monde était pour moi. Merci. We'll be right back.